les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du calendrier de l'Avent numéro 8. Donc hier, je vous présentais ce très joli fond sur étiquette là avec le hibou. Ça fait un peu... quand on voit que le hibou, ça fait un peu Harry Potter, je trouve. Donc là, il y a un petit hérisson Père Noël. Il est très sympa, le petit hérisson. Je pense que c'est le hérisson qui est fait comme ça. C'est pas toi qui as fait le rajout du bonnet. Est très sympa. Et puis bah là il y a le petit écureuil et la petite hibou ou chouette, je sais plus. Je sais qu'il y en a un, on reconnaît parce qu'il n'a pas de, il a pas l'oreille ou les oreilles, enfin je sais plus. Et là nous sommes sur un petit 8, un petit sticker suite mais couleur argentée, donc avec le fond ça rend super bien. Donc voilà, donc voilà le paquet numéro 8. Donc que nous dit Céline aujourd'hui? Élevons-nous de quelques centaines de mètres, ne prends pas froid et admire le paysage. Alors, le pronostic à Damien, c'est une planche de tampons. Alors, si c'est ça, je crois que Céline m'a fait le calendrier des tampons. Là, vraiment, je suis vraiment très, très gâtée. Élevons-nous de quelques centaines de mètres. Donc, ça pourrait être une vue. Ouais, ça pourrait être une vue. Donc, pour moi aussi, c'est des tampons. Enfin, c'est une planche de tampons. Ou alors des stickers puffy. Non, parce que ça a l'air d'être en un seul morceau. Ne prends pas froid et admire le paysage. Donc, est-ce que ça pourrait être une planche de tampons avec un effet de vue sur le dessus, là? Vous savez? Enfin, je ne sais pas trop comment m'expliquer, mais j'en ai des comme ça, ou un tampon effet carte. Ne prends pas froid. Est-ce que ça a un rapport avec le tampon? Est-ce que ce serait une vue de montagne peut-être? Faire comme ça. Les cadeaux sont très très bien emballés. Hop. Décidément. Tu nous as mis du scotch partout. Hop. Ah, une vue des montagnes. Ah, une vue des montagnes avec un reflet de... Ah oui, d'accord. Donc, une vue de... Mince, bah, je ne vous montre pas avec le bon papier, du coup. Hop. Je vais prendre un papier, un papier, un papier, un papier. Hop. Pour vous montrer correctement, je vais prendre un papier comme ça. Je vais regarder que vous voyez bien. Donc, c'est une vue avec de l'eau. Et puis, mais en fait, t'es vachement raccord dans toutes tes planches de tampons parce qu'elles vont aller à merveille entre elles, quoi. Donc vraiment, je vais faire mon album qu'avec ça pour rester sur la même thématique parce que du coup, là, vous avez de l'eau, les rochers et puis bah les petites. Alors ça pourrait être des aigles, hein, parce que vu le oh, comment dire, le plan, enfin, je veux dire, ça fait un peu montagnard et tout ça, donc je veux pas dire que c'est des mouettes, je dirais plus ouais, des aigles. Et puis avec les sapins, là, ça fait vachement. C'est superbe, Céline. Franchement, c'est vraiment superbe, quoi. Parce qu'en plus, en le mettant sur une plaque, je suis pas obligée de mettre de l'encre sur cette partie-là, je peux récupérer ça avec mes petites chaussures de randonnée. Enfin, mes petites chaussures de randonnée, je les kiffe, quoi. Vraiment, j'avais hésité à en acheter un comme ça avec des chaussures, mais vraiment, là, ils sont trop, trop beaux. Vraiment, Céline, là, t'as mis dans le mille. Donc, vraiment, je suis contente. J'ai un petit peu trouvé, donc je ne savais pas trop quel genre de vue, mais je me doutais que c'était une vue. Et j'avais trouvé que c'était une planche de tampon quand même. Hein. Donc, du coup, ça fait quand même trois. Hein. Donc, je crois que j'y arrive, là. J'y arrive un petit peu. Je te remercie énormément, Céline, et je te fais de gros bisous. Je vous embrasse tous très fort, et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.